Nous sommes trois membres du comité de rédaction de la revue En Pan, revue qui, depuis 22 ans, questionne, réfléchit sur le champ de l'intervention sociale, médico-sociale et sanitaire. Et donc, tous les trois, c'est-à-dire Lain Grimaud, psychologue, analyste de pratique professionnelle dans le champ social, médico-social et psychiatrique, Alain Jouve, directeur d'établissement, et moi-même, Paul Sanchou, responsable à l'université des formations et du travail social. Depuis sa création, la revue En Pan a consacré trois numéros, en 1991 à la fonction de direction, puis en 2006 et en 2010 à la notion de management, de logique managériale. En effet, dans ce secteur professionnel de l'intervention sociale, de nombreuses transformations sont intervenues, tant sur le plan législatif que sur le plan institutionnel, organisationnel. Au-delà des a priori et des stéréotypes, nous souhaitons promouvoir une réflexion croisée. C'est-à-dire que nous avons sollicité un philosophe, un anthropologue, un journaliste, mais aussi des intervenants en charge directe, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues, des formateurs et bien sûr des directeurs en fonction. À chacun, nous avons demandé une réflexion, sa réflexion personnelle, son mode d'analyse de cette évolution, et nous proposons aux lecteurs, face à cet ensemble de contributions hétérogènes bien sûr, de forger sa propre opinion et sa propre réflexion. L'originalité de notre approche est de ne pas opposer de façon radicale ces deux dimensions, clinique et management, mais plutôt d'essayer de voir comment peuvent se construire des articulations et des connexions entre ces deux logiques qui certes sont bien différentes. On a peut-être insuffisamment réfléchi sur ce que le management avait à nous apporter. Par exemple, on peut penser qu'il a contribué à sortir le travail social d'un certain enfermement dans lequel il était, c'est-à-dire qu'il était sur des pratiques peu argumentées, peu dites, il y avait peu d'évaluation et donc il y avait, pour aller vite, un manque de lisibilité de ces fonctionnements. Ainsi donc, le management peut soutenir une démarche d'ouverture, d'innovation, de transformation. On n'aurait plus cette opposition d'un management qui supprimerait la clinique, mais au contraire, un management qui structurerait une organisation dans laquelle la clinique aurait sa pleine place, sa pleine justification et pourrait continuer à soutenir l'intervention auprès des personnes, puisque c'est quand même le but de l'intervention sociale. Cet ouvrage nous semble pouvoir concerner tous les intervenants sociaux, dans la mesure où ils sont confrontés à ces transformations et parfois même malmenés par ce qu'ils vivent. Mieux comprendre les conflits, mieux comprendre les oppositions entre clinique et management, c'est en acquérir de l'intelligence et donc finalement plus de liberté face à ces contraintes.